Quelle belle nouvelle! 2 ans après sa rencontre fortuite avec Sophia sur le tournage de The Voice, Sidoine a demandé sa belle en mariage. Au cours du week-end, les amoureux ont même lancé les festivités en organisant une grande soirée de fiançailles selon les coutumes marocaines de la jeune femme. Pour Sidoine, ce fut une évidence. En 2019, alors qu'il concourait pour le titre de vainqueur dans la saison 8 de Classe égale à HRL The Voice, le candidat rencontrait l'amour de sa vie en la personne de Sophia. Cette dernière officiait en tant que membre de l'équipe de l'émission. 2 ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous et leur relation prend même une tournure très sérieuse puisque l'artiste a demandé la main de sa belle. Ce lundi 19 juillet 2021, Sidoine a en effet confirmé la bonne nouvelle en postant une photo de lui et Sophia sur Instagram tirée de leur fête organisée selon les coutumes marocaines de la jeune femme pour célébrer leur fiançailles. Fiancé, s'est-il contenté de légender? Sophia a partagé une photo similaire, exprimant de son côté un peu plus ses sentiments. Il y a plus de 2 ans, tu m'as avoué ton amour, et tu m'as assuré qu'un jour, je deviendrai ta femme. Hier nous avons officialisé nos fiançailles. Tu avais raison. Nous allons passer le reste de notre vie ensemble à Sidoine Music. Je remercie ma famille d'avoir organisé une si belle fête qui nous unit pour la vie, a-t-elle écrit. Contactée par Télé Loisirs, l'ex-finaliste de The Voice qui évoluait dans l'équipe de Johnny Fay a confié espérer pouvoir s'unir à Sophia dès l'année prochaine. Si cette saleté de Covid nous le permet. Auparavant, Sidoine n'avait jamais clairement annoncé ses fiançailles mais en avril dernier. Ses fidèles abonnés avaient cru apercevoir une bague à l'annulaire de la jolie brune. Le doute n'était alors plus permis lorsqu'on se baladait à la même période sur le compte Instagram de Sophia. J'ai pas dit non à Sidoine Music tabindex égale à 0, je vais passer le reste de ma vie avec mon meilleur ami. Je suis chanceuse. Je voulais vous le dire. Voilà. Bisous, s'enthousiasmait-elle en dévoilant une photo de sa bague. Pour Télé Loisirs en 2020, Sidoine se souvenait de son coup de cœur pour Sophia dans les coulisses de The Voice. Un coup de cœur qui n'était apparemment pas réciproque. Ça a été très compliqué au début. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Je lui ai répondu que je ne quitterais pas Paris avant d'avoir pris un café ensemble. Avait raconté le chanteur originaire de Belgique. Sidoine a vraisemblablement bien fait de ne pas baisser les bras.